Bonjour, c'est Anna Cruz. Bienvenue sur ma chaîne où tu vas pouvoir redécouvrir tous les jeux de ton enfance. Pour les retrouver, rien de plus facile. Rends-toi sur ma chaîne et regarde la playlist intitulée « Les jeux d'ordinateur de mon enfance ». Il y a plus de 200 vidéos enregistrées, alors tu y retrouveras certainement de beaux souvenirs. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour connaître toutes les nouveautés. À bientôt! Bonjour à tous, c'est Anna Cruz. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu de notre enfance, les jeux de carapate dans le potager. C'est vous les enfants, vous allez pourtant à l'école. On arrive. Au revoir, carapate. Passe une bonne journée. Au fait, quelqu'un a vu carapate? Mais que va-t-elle donc faire? Carapate sur ses petites pattes quand elle descend sous terre. Carapate, invite-nous dans ton pays mystère. Carapate, emmène-nous dans ton jardin secret. Bonjour, tu viens avec moi? Nous allons voir les lapins du potager. Alors, le petit lapin mange la carotte. Toutes ces salades, c'est le paradis des tortues. Ben alors, on ne peut pas passer? Oh. Dis donc, tu ne veux pas m'aider un peu, toi? Prends la citrouille et range-la à sa place dans le potager. Allez, j'ai faim. Oh, regardez une tête rigolote comme dans Adibou. Allez, on pose la citrouille. Je sens que je vais me régaler. Ah, mais le lapin et la tortue vont faire un véritable festin. Le lapin va manger les fans et les carottes, et la tortue les salades. Eh bien, petit lapin, tu en as de la chance de vivre ici. Ah, ça oui, ce potager est fabuleux. Mais les taupes vont manger toutes les carottes. Sortez de là, les lapinous. Je sais que vous êtes ici. Comment as-tu deviné? Ils sont mignons. Occupe-toi bien de ce potager. En attendant, moi, je vais bien me régaler. Si tu veux baisser ou monter le son, clique sur l'un des rondins si tu veux. J'ai monté le son. Attention, il va falloir être rapide. Attrape toutes les taupes et dépose-les sur les pierres en bas de l'écran. Ok. Oh, c'est trop mignon ce jeu.
Les petits cris qui poussent et tout, c'est trop mignon. Hop là, petite taupe. Toi aussi, tu viens. Et voilà. Sur une chenille qui les emmène loin. Pas besoin de tuer les taupes. Tu as attrapé toutes les taupes. Si tu veux rejouer, clique sur les escargots. Sinon, clique sur la coccinelle. La coccinelle. Si tu veux retourner au potager, regardez les animations. Elles sont trop mignonnes. La petite coccinelle qui s'envole. Si tu... Le petit escargot, si y a tu veux, pas. Si tu as besoin d'aide, clique sur. Peut-être en cliquant dessus. Si tu veux. Ah ouais, voilà. Ah, c'est plus difficile là. D'accord, il y a deux niveaux. Alors on va en profiter pour faire aussi le niveau plus difficile. Plus qu'une. Voilà. Au revoir les petites taupes. Bien joué. Quelle rapidité. Si tu veux rejouer, clique sur les escargots. Sinon, clique sur la coccinelle. Coccinelle demoiselle. Tu ne peux pas m'attraper, tata terre. Je peux t'attraper par les pieds. Ensuite. Bonne récolte. Ouvre grand tes oreilles et regarde bien la liste de légumes que te montre le lapin. Essaye de t'en rappeler. Quand tu es prêt, clique sur le panier pour aller ramasser ces légumes dans le potager. Un jeu de mémoire. Il faut que tu récoltes. Une tomate, une salade et une carotte. Une tomate, une salade, une carotte. Une tomate. Il faut que tu récoltes. Oui. Une tomate, une salade et une carotte. Je suis prête. Mets les légumes demandés par le lapin dans le panier. Quand tu as fini, clique sur la cloche. Une tomate. Si tu veux revoir la liste, à la cloche ici. Clique sur le lapin. Une tomate bien rouge. Une salade. Et une carotte. Et je clique sur la petite cloche en forme de fleur. Bravo, tu as tout rapporté. Ramasse un chou-fleur, une tomate, un radis et une salade. Un chou-fleur, une tomate, un radis, une salade. Un chou-fleur, une tomate, un radis, une salade. Oh, j'ai mal visé le panier. La petite cloche. Quelle belle récolte! Bon appétit. Rapporte. Une carotte, un poireau, un radis, une salade et une tomate. Une carotte, un poireau, un radis, une salade, une tomate. Une carotte, un poireau, un radis, une salade, une tomate. Bravo, tu as tout rapporté. Mets dans ton panier une salade, un poireau, un chou-fleur, une tomate et un radis. Et si on essayait le niveau difficile? Si tu... Attention, le lapin te demande deux poireaux, deux carottes et deux salades. Deux poireaux. Deux carottes et deux salades.
Tu as réussi! Ramasse 3 pommes de terre, 2 radis, 1 chou-fleur et 1 tomate. Alors, 3 pommes de terre, 2 radis, 1 chou-fleur et 1 tomate. Bravo, tu as tout rapporté. Choisis dans le potager 3 carottes, 2 poireaux, 1 citrouille et 2 radis. Ah, la citrouille, on l'avait pas encore faite. Allez, on y va. Donc la citrouille, 3 carottes, 2 poireaux et 2 radis. Ça en fait des courses. Oui, tu as réussi. Vous avez vu, il y a un petit escargot sur la salade. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'insecticides, c'est bien. 2 tomates, 2 salades, 2 carottes et 2 pommes de terre. Bon, nous allons changer de mini-jeu. Si vous retournez au potager, clique sur la coccinelle. Eh bien, moi aussi j'ai fait mes récoltes. Ce qui m'intéresse le plus, ce sont les chalades. Les chalades. Alors ici, les petits chenapans. À toi de jouer, l'artiste. Fais un personnage avec les fruits et les légumes comme sur le modèle. Si tu veux en faire un autre, clique sur le modèle. Alors, ça ressemble bien au corps, ça. Ensuite, ça serait pas la tête. Ah, ben, il y a le modèle juste ici. Fais voir. Oh non, j'ai changé de modèle. J'ai pas fait exprès. Bon, une tomate pour la tête. Ceci là, qui sert Dieu. Un petit haricot vert. Ensuite, des pommes. Ah, oui, c'est ça. Non, c'est pas des pommes, ça. Non, c'est pas des pommes. Ensuite, ça. Hop. C'est trop mignon l'idée. Ça me rappelle les têtes rigolotes dans Adibou. Piment, ça rigole pas. Lâche-moi cette feuille. Et voilà. Quelle élégance. Elle a un peu du poil là, quand même. Oui, tu as bien refait le même. Si tu veux rejouer, clique sur les escargots ou sur le modèle. Sinon, clique sur la coccinelle. Voyons un niveau plus difficile pour voir. Ouh, il y a plein de choses dans ce panier. À toi d'inventer un personnage avec les fruits et les légumes. Ah, trop bien, l'invention. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Je vais choisir ça. Ah, dommage, on peut pas le mettre au-dessus. D'accord, ben, ça lui fera des cheveux alors.
Je pensais faire une petite robe, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'il va avoir? Ça, c'est son nez, là. Je le vois bien avec un nez, comme ça. Des petits yeux, comme ça, là. Ouais. Un joli sourire. Un peu grand, ce sourire. Je vais opter pour un petit sourire. Là, c'est quoi, ça? Ça, ça pourrait être son corps. Mais il semblerait qu'il n'y ait plus la place. Et ça, là. Ça, c'est une petite fleur dans les cheveux. Il fume... Non, il fume pas parce que c'est mauvais pour la santé. En tout cas, ce qu'il fume n'est pas mauvais pour la santé. Quelle élégance! Je lui mets des décorations dans les cheveux. Voilà. Ça, c'est du soja. Charmant portrait. Ça pourrait être un œil aussi. On pourrait mettre là. Ça, ça ferait un peu... Je décore, quoi. Je fais un fond. Petite banane. Voilà, moi, ça me plaît bien, ça, comme petit portrait. Revenons au niveau précédent, juste pour voir les petits personnages qu'il propose, parce que c'est quand même rigolo. Une grande pomme. Non, c'est pas une pomme qui fait sa petite tête. Ah si, quand même. Ça, c'est son nez. Ça, c'est ses pattes. Ah, il a du brocoli sur la tête. Deux petites fleurs en guise de bras. Trop mignon. Et qu'est-ce qu'il a là? C'est des... Ah ouais, c'est bien fait, hein. C'est ingénieux, c'est inventif. Et sa bouche, c'est ça, on dirait. C'est pas fini. Je vois pas bien la miniature. Je vois pas ce que j'ai pu oublier. Voilà quoi. Hein. Suivant. Ouah, elle est trop géniale celle-là. C'est drôlement bien fait. Ah, c'est trop bien fait. Et voilà. Bravo, c'est exactement ça. Si tu veux rejouer... La petite chenille, un espèce de petit animal étrange. Avec des feuilles. Des petits yeux rigolos. Ça, ça fait des petites moustaches. Ça, c'est son corps. Carotte.
son petit bras, la petite carotte qu'il tient, sa petite jambe et un espèce de petit pompon ici. Félicitations! L'imitation est parfaite! Si tu veux rejouer, clique sur les escargots ou sur... Celui-là, il est très rigolo aussi. Oh, trop rigolo! Un chien! Un gentil chien, tout mignon. Quelle inventivité, quelle créativité, j'aime beaucoup. Avec son gros nez rouge. Sa petite queue. Des petits points noirs. C'est ça là. Non, je veux pas ça, je veux ce qu'il y a dessus. Oh, je peux pas attraper les petits points. Voilà. Et au bout de ses pattes, les petites patounes. Trop mignon. Oui, tu as bien refait le même. Si tu veux rejouer, clique sur les escargots ou sur le modèle. Sinon, clique sur la coccinelle. Ah, il est marrant celui-là aussi. Ah, des petites méduses. Trop sympa. Il y a de l'idée. Moi aussi, je vais en refaire un du coup. Trop mignon ça. Faudrait qu'il y ait le même de l'autre, dans l'autre sens, mais enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Voilà. Non, on peut pas lui mettre des jambes. Voilà, voilà. C'est très rigolo. J'aime bien. Si tu veux retourner au potager, clique sur la coccinelle. On peut en faire d'autres, hein. Tête de pomme. Ça lui fait un petit chapeau un peu. Ah non, je voulais lui faire un pagne. Mais si ça se met devant, ça change tout. C'est son petit pagne. Ouf, gros ananas. Dommage qu'on puisse pas choisir si c'est... en fond ou si c'est au premier plan ou au second plan.
Bon, voilà quoi. C'est très amusant. J'aime bien les petits jeux comme ça pour les enfants. Et en plus, on peut l'imprimer. Si tu veux imprimer. Donc ça, c'est bien. Si tu veux retourner. Tu me reconnais ? La musique en plus, elle est toute douce. C'est vraiment un bon jeu pour les petits enfants. Si tu veux quitter le CD-ROM, clique sur le passage secret. Voilà les amis, le jeu est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous y avez joué quand vous étiez enfant. Si vous avez aimé ce jeu. Et n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce en l'air. A bientôt, c'était Anna Cruz. Tu veux retourner jouer? Tu veux quitter le CD-ROM? Quitter. A bientôt.